Je m'appelle Linda Baris Elia. Je suis d'origine assyrienne. Nous sommes ici à l'église Sainte-Marie, Mère de Dieu. C'est une église syriaque, se trouve à Montfermeil 93. Elle regroupe la communauté syriaque orthodoxe. Alors dans cette église, comme vous voyez, il y a cet autel qu'on a fabriqué dans le pays par des artisans en Turquie, parce qu'on tient beaucoup à la modèle de l'église orientale. Comme vous voyez, il y a beaucoup de signes dans cet autel. Il y a des anciens signes des ethnies araméennes, assyriennes, avant le christianisme, comme les palmiers, les rideaux et tout ça. Et aussi, il y a les signes religieux chrétiens, comme les grappes de raisins, ou les croix et des choses comme ça. Pour nous, c'est très important pour notre communauté de se retrouver à l'église. Parce que l'église, elle nous regroupe, elle protège nos cultures. C'est grâce à l'église qu'on a pu conserver notre langue. Parce que la langue araméenne, c'était la langue du pays du Moyen-Orient. C'était la langue de commerce, de la vie. Les régimes actuels de nos pays, qui sont des régimes dictatures, ils n'ont pas facilité les tâches pour nous. Ils nous ont même empêchés d'apprendre notre langue. J'ai un grand regret, moi, autant adulte, que j'ai pas pu apprendre, écrire, à lire ma langue correctement. Et ici, en Europe, on peut profiter de cette liberté de reprendre notre langue, pratiquer nos cultes, apprendre la langue à nos enfants. Tout ça, s'il n'y avait pas l'Église, on ne pourrait pas avoir tout ça. Thank you.